Plop les gens, de retour sur Dandara, je sais plus quoi le sous-titre, Trials of Fear. Donc on en était là. Il nous reste plus qu'un objet à trouver. Un sort. Enfin, un sort qui nous débloque des zones. Un objet qu'on tire, on va dire. Sort qu'on tire. Et évidemment plein de sous pour monter plein de niveaux et avoir masse de cœur, masse de mana, tout ça. On reprend tranquillement. Ah oui, les terres du cauchemar. Donc ici, à part la zone forteresse, je pense avoir tout fait. Dans l'autre monde, ici évidemment on n'a pas tout fait vers le haut. En bas à gauche on n'a pas pu y aller pour le moment, à part à tirer à l'aveuglette. Ici on n'a pas pu y aller non plus, évidemment cet endroit là. Et là-haut il y a encore des choses aussi. Mais vu qu'on est le plus proche d'ici, on va commencer par là. Oui. Punaise. Rêve. Non, on est plus proche de nulle part. Je crois que c'est faubourg du village. Désolé si vous entendez des petits bruits. Je miaute un petit peu pour... comment ça s'appelle? Pour remuer mon... le sucre dans mon thé. Et voilà, parce que on voulait lancer autre chose à la base, on voulait faire We Were Here Too, puis ça n'a juste pas fonctionné. Du coup je me suis fait du thé, mais le live était déjà démarré. Donc voilà, deux secondes. De pas y aller la fois d'avant. À travers les yeux de la peur. Alors là, il y a un petit message. Il y a une page rouge, arrachée à un carnet sur le sol. Elle est couverte d'une belle écriture. Le jour tant attendu est arrivé. Eldar nous a demandé une audience. Nous avons revêtu des masques par moquerie. Nous avons tout fait pour qu'il ne puisse pas nous ignorer, pour le défier. Mais à notre surprise, il s'est montré étonnamment aimable. Il a même plaisanté. Nous avons passé un agréable moment. Les masques semblaient nous protéger, nous galvaniser face à sa violence. Nous n'avons pas tardé à entamer les négociations. Ok. Ici, il y a bien une petite zone là-haut. Les yeux, on n'arrive pas à les avoir pour le moment. Il
là on est un peu bloqué. Ah, j'aurais peut-être pu essayer de passer par l'autre passage. Oh. Ok, non. J'ai déjà plus de vie. Alors là, on sait qu'on peut passer en prenant les aiguilles, justement. En tapant par en bas. Souffle chaud, distant. Donc, s'il y a une... Ouais, là, j'ai bien aperçu le... S'il y a une excroissance ici, c'est d'abord ici qu'on explore. Il y a un vieux masque en bois sur le sol. Son plaquage endommagé donne l'impression qu'il souffre. Un vieux masque en bois sur le sol. Des marques élaborées sont dessinées autour des yeux du masque. On dirait que l'on pourrait perdre la vue en le portant. Urk. Ok. Donc ce chemin a été condamné. Pour construire ceci. Après on s'est placé. Je n'ai évidemment pas le mana. Un peu tôt, mais on s'est pris une vie. Une potion de vie. Camp découvert. Intéressant. L'Asie. Mascarade est-elle malveillante? Qui sait ce qui se cache dans leur cœur? Même les gens bien intentionnés peuvent s'égarer. Nous ne pouvons pas rester aveugles à la souffrance d'autrui, aux réalités de leur peine. Mais je n'ai pas oublié leur esprit, et ils me sont toujours chers. J'attends leur retour, même s'il doit prendre une éternité. Ouvre toujours ton cœur à ceux qui cherchent leur voie. La compassion est contagieuse. Utilise ce pouvoir pour guérir. Accueil de la mascarade. La mascarade. Avec trois chemins. Alors là... Désolé. On prend le drapeau. Ça, j'ai pas regardé. Du coup, là, il est censé me manquer deux. D'accord, je pensais un. Ah oui, non. Un pour les sorts et un pour les passifs, on va dire. Ouais, je suis pas allé où aller, donc on va commencer par la gauche. Celle des masques chauds. Les restes d'un morceau de tissu jaune, brûlé, traînant par terre. Difficile d'imaginer de quelle façon il était porté. Ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui marche dessus. Un énorme poids. Non, il y a des cloches. Ah, c'est pas quelqu'un qui marche. Olga, inspiration par un foulard jaune, je crois.
Oh là. C'est pas des ennemis durs d'habitude. C'est leur nombre qui est relou. J'ai cliqué pour la potion, mais elle a pas eu le temps de la prendre, évidemment. Bien. Individuellement, ils sont pas compliqués, mais comme prévu, c'est le nombre qui est embêtant. Est-ce qu'on va réassister au meurtre ou... Non. J'essaie d'éviter de prendre mon âme. Vu que de mémoire elle soigne. En plus de rendre tout le sel. Dégoûté si je perdais tout. Prends la potion, tant qu'on est encore safe. Oula. Potion. Là, c'est bon. Potion. Ok, non. Ok, c'est quand même une salle bien complexe par ici. Je peux pas aller ailleurs, sinon je risque de mourir en découvrant une autre zone. Et je crois que on a le droit qu'à une seule âme. Comme ça, ok. On va quand même réessayer, vu qu'à chaque fois on va plus loin. Alors, de justesse.
Au secours, s'il vous plaît. Un peu d'espace, merci. Ok, c'est bon. On n'était pas loin en fait. C'est complexe. Là, on n'arrive pas par en haut, non. Là, on arrive dans la salle du haut. La salle des masques humides. Ça doit pas être très agréable à porter. Enfin, ça dépend. Là, je pense qu'on parle pas de masques de docteur comme des masques qui nous protégeraient du... D'ailleurs, ils nous protègent pas du coronavirus. Ils nous protègent de le diffuser. Vestiaire. Ok. Donc là, je peux pas y aller, mais activer ça ouvre une des deux portes. Donc en fait, en haut au milieu, on ne peut y aller que... Enfin, on peut visiter, mais c'est la vraie avancée, donc il faut d'abord faire les deux ailes. Logiquement. En espérant que là, oui. Il me laisse partir tranquillement, c'est bien. Ah oui, j'ai quand même de quoi. On a dit plus de mana de régénérer, c'est mieux pour le moment. Oh! Ce rayonnage est rempli de masques. Il ressemble un peu aux habitants du village des artistes. Du village des artistes. Mais pas tout à fait. Les expressions et les couleurs ont été modifiées d'une façon qui ne les représente pas fidèlement. Ils semblent trop artificiels. Ok. Un rayonnage rempli de masques qui rappelle les cadres et les bannières de la capitale. Ils sont lourds et durs comme la pierre. Il faudrait une grande force pour les briser. Ils doivent être très inconfortables. J'essaie de voir s'il n'y en a pas d'autres qui brillent pour le lore. Mais ça n'avait pas l'air. Celle des masques froids. Alors s'ils sont froids mais peu humides, ça va. Quoi? Ok. Intelligent lui à se jeter en avant. Oula. On n'oublie pas qu'il y a une salle en bas à droite, vestiaire, que je n'ai pas encore vue.
Ok, vestiaire, on connaît. Jean. Ah non, là, c'est là où il faut venir. Ok. Salle des masques secs. Je n'avais pas fait gaffe. Oui, j'ai cru que je pouvais plus y aller, mais c'est ici qu'on n'a pas visité. Oh, il y a un truc qui brille. C'est bien ce que j'avais aperçu la première fois. Secret à ne pas divulguer. C'est quoi encore que cette salle immense? Je déteste les yeux là pour le moment. Là. Je sais pas comment les tuer. Bref. Des morceaux de guenilles jaunes jonchent le sol. Ils sont tellement déchirés qu'on ne reconnaît plus de quoi il s'agissait au départ. Je déteste l'écharpe de Dandara. Non. D'abord, petit tour. Au point de sauvegarde. Tant qu'on sait où il est. Hein. Alors, dans l'ordre. Des masques de ce rayonnage sont. Les masques de ce rayonnage sont tous hilares et se ressemblent énormément. Leur joie figée à quelque chose d'inquiétant. De la propagande de couleurs vives jonche le sol. Un tract montre un villageois éploré qui se couvre le visage des mains. En manque d'objectifs et de considération, mal payé et effrayé, rejoignez la mascarade. Ce rayonnage est rempli de masques tristes, des larmes poignantes sont dessinés sur leurs joues. Rassemblement amical. Oh, la zone est encore plus grande que celle de droite. Du coup, on peut essayer d'aller à droite, mais il y a deux barrières bleues. Sachant que les barrières bleues, c'est les murs qui, d'habitude, faut les bouger avec les masques. Enfin, avec le rouge et pas rouge. On va quand même essayer d'aller voir. Ok. C'est bien ça. Mascotte du club et scène de spectacle. Il y a un carnet ouvert où l'on peut lire des idées notées pour deux présentateurs qui doivent motiver leur public. On a un casting énorme ce soir, mais quand même pas aussi top que la fanfic qui a été écrite sur nous. Pas vrai, Atus? Il y a une fanfic sur nous? Il faut me tenir au courant de ce genre de truc. Jamie, ma mère ne va pas en revenir. C'est quoi une fanfic? C'est une fanfic? Une fanfiction? Estimé conseil des érudits. Ok, donc, parce que la souris, non, la souris on ne la voit pas. Donc je pense qu'il faut que je prenne
le lame rouge là en bas à gauche, que sans me toucher j'aille jusque en haut à gauche, ce qui libérera la porte en bas à gauche, et en haut à droite je prends le truc rouge en bas à gauche, je remonte en haut à droite, je le pose, et là ça libérera le minion. C'est comme ça que ça m'a l'air d'être demandé d'être fait. Ouais. What? Il sort d'où lui? Ouais d'accord. Je trouvais que c'était facile, les lasers et tout. Ça doit être là où j'ai dit. Oui. C'est vers ça, ça. Et ça, c'était exactement ce que j'avais prévu. Du coup, je sais plus s'il faut que j'aille au départ. Ah, punaise. Potion, ouais. Ok, là, on ne peut plus y aller. Deux, je sais pas si. Non, c'est pas tout ce qu'il y avait, mais j'en ai tué deux. Il a l'air d'en rester au moins deux. Comité de l'apogée de la beauté. De la beauté. Est-ce que c'est une autre salle qui fait un autre chemin alternatif ou quoi? Ok, c'est encore pire que ça. Il y a un trou dans le mur qui laisse passer de la lumière. En y collant son œil, on voit une pièce fermée avec une carte du village des artistes encadrée au mur. Une marque rouge vif dont la forme rappelle une gueule a été dessinée sur la carte. Près de la maison de Thomas. Thomas. Ok, je suis une potion. Là, normalement, il y a le coffre bloqué. Salle de l'abstention. Ça s'appelle comment? Mince, j'utilise une potion pour rien. L'ostentation, d'accord. Ouais.
rassemblement amical. Le fait d'utiliser B des fois, mince, pour annuler des fois pour Pedro, mauvaise formulation. Pedro, c'est mieux. On peut pas aller là-haut. Ok, je vois le rail. Oh punaise. En plus. Donc là, il faut venir avec un truc rouge. Ok. Et pas se faire buter. En gros, pas comme j'ai fait jusqu'à présent. Ah oui, le truc rouge est là. Je suis à peu près sûr que... Ok, je suis bloqué. C'était ça. Herbie, en présence déplacée. Ok, ça ne fonctionne pas. Et voilà. Je sais plus. Ok, là c'est en haut. Ah! On peut passer par là. Ah, cette fois, faut... pas. Je vais faire ça, mais je vais attendre que l'autre arrive à... pour essayer de pas gâcher le mana. Voilà. Et tuer les deux ennemis d'un coup. Ah là, j'en étais sûr. Potion. Ok. Et ça fera le raccourci. En fait. Non, punaise. Et il y avait aussi là où il fallait pas oublier, et j'ai failli oublier vu que j'ai exploré la salle, qu'en revenant
on peut avoir un coffre. Normalement. C'est bien ça. Alors 2935, oui quand même. Ça nous fait du 8000 et je crois qu'on peut monter de niveau grâce à ça. Attendez que je regarde là. Un moment, il va falloir que je revienne en bas. Je sais pas trop comment pour le moment. On verra. Déjà, je pense que je vais revenir en mode... Ségrégation des esprits faibles. Je pense que je vais revenir en mourant. Ces boîtes contenaient des tracts colorés, représentant des silhouettes masquées. Le doigt tendu vers l'observateur, sous le titre... Rejoignez la mascarade! Elles sont entourées de lettres épaisses en couleurs vives qui disent revêtez le masque aujourd'hui et faites partie de l'élite du sel. De mana. Ah oui, là on récupère pas mal de mana du coup. Elle ressemble à quoi cette salle? Ok, donc la sortie est logiquement ici, mais il faut aller au milieu. Et à droite. Il y a quoi en particulier à droite là? Des ennemis, très bien. Je savais que je mourrais. Je crois que c'était quand j'étais activé dessus. En train de charger quoi. Mais c'est au moment où j'atterris dessus que les trucs carrés. Ils se font voir. Donc là en fait, si je reviens jusqu'ici, ça me libère ce raccourci pour aller à droite pour tout libérer. Parce que là je suis obligé de passer par le gros truc de gauche, mais si j'avais ramené celui-ci ici, j'aurais eu ce raccourci. Je crois que c'est ça. Le jaune le plus important. Le rouge, je crois qu'il est un peu plus violent, mais il reste au sol. Ah, faut refaire. C'est juste que les endroits où on prend sont bloqués, ce qui est habituel.
Faudrait que j'arrête de vouloir tout récolter absolument comme ça. Oula. Mais là, je voulais les battre, mais je voudrais espérer pas me prendre de dégâts. J'ai fait n'importe quoi. Là, il y a le raccourci vers le haut, mais j'ai envie de débloquer le raccourci vers la gauche. Ah oui, on peut. Punaise. J'ai oublié que cette salle, je l'avais faite qu'à moitié. Et mince. Mince. Accélérer, doubler ça. Tant pis. Pas fonctionné. Là oui, c'est bon. Je pense qu'il y aura plus d'ennemis et qu'on pourra. Faire le trajet sans trop de problème. Pas à toute vitesse comme ce que j'ai essayé de faire là, parce que c'est dangereux, il y a quand même les pièges de base. Ça me fait quand même penser. Est-ce que le jeu a prévu, si jamais je prenais le rouge de cette pièce là, l'un des deux, n'importe lequel. Oh putain, j'étais sur le bord, je suis parti au mauvais moment. Et que je l'avais amené pour activer le raccourci que je veux activer là tout de suite. Est-ce que il y aurait pas eu un soft lock? Non, pas si loin. Gaffe au rayon laser. Voilà. Il sort ici. Genre là, j'aurais pris le truc à gauche. Oui, je l'ai lu. Et je serais venu. Le poser là. Sauf que quand on prend le truc à gauche, non, c'est au moment où on le pose, mais c'est un peu pareil. En tout cas, ça m'aurait rendu la partie tout à gauche auxiliaire. Du coup, maintenant, s'il faut que j'aille là. Thank you.
De toute façon, c'est pas par là qu'il fallait aller. Pour faire ce que je voulais. Mais c'est un truc... C'était là. Alors là, normalement en plus on a le raccourci ici. Je suis heureux. Viser n'importe où, c'est... Oh punaise, c'est la joie. J'essaie de faire vite et du coup je fais mal. Ségrégation des esprits faibles. Donc là, on peut pas aller à droite. Ok. Ok. Plus c'était pas très compliqué à faire. Et je me demande pour le moment à quoi sert cette zone. Ah, ou alors si je me mets là. Voilà. C'était ça. Oh punaise. Forcément il y a un coffre. Punition du sang faible. On a l'habitude de revenir dans les zones. Potion quand même, ouais. Même si c'est ma dernière, de toute façon. De toute façon, elle ne me remplit pas entièrement mes cœurs. Ok, donc il y avait bel et bien pas besoin de venir ici. Elle s'appelle comment cette salle ?
Épreuve face au démasqué. Punaise. Punaise. Oh, ça m'a mis devant. Bon, bah j'ai plus qu'un cœur. Le petit truc rouge, il m'a fait enfin, il m'avait fait de la merde en tout cas. Je suis où? Je suis là. Bah, il suffisait de faire le retour, la descente qui, je crois, n'avait pas spécialement d'ennemis. En tout cas, on les a pas bien vus. Et je me débloquais cette grande salle. Oh punaise. Bon, allez. Dernier essai. Attends. En avant, souvenir. Allez, on essaie de pas détruire toutes les cagettes. Oh putain. Alors. Avec ça, il faut que je monte. C'est moins long que ce que je craignais pour revenir à cet endroit-là. Ah mais non. J'ai été touché. Genre là c'est bien ça. Ah mais là mais de quoi? Pourquoi j'ai perdu autant de vie? Il n'y avait rien. Alors là oui. J'ai l'impression que vu que j'étais derrière, ça a voulu m'enlever des PV. Non! Oui, c'est bon. Fasse une deuxième fois. Ou pire.
Ah, dans les bonnes grâces du succès. J'ai oublié que ce jeu avait des succès aussi. Ah, mais non. Alors, porter plus de 13 000 requêtes du sel à la fois, c'est ça dans les bonnes grâces du sel. Effectivement, j'ai 15 000. Donc ça, c'est des ennemis qui popent à l'infini. Donc... Non... Je crois qu'il faut que je refasse un tour complet, sauf que cette fois, il devrait pas y avoir les lasers. Normalement là je fais juste le tour, il y a juste les petits trucs rouges qui pop à l'infini qui peuvent m'embêter à la fin. Ce qui est embêtant c'est qu'ils sont à la fin. Et les piques aussi. On les oublie toujours les piques. Ouh punaise, mais ils sont toujours là pour nous embêter. Voilà. Donc non là il y a quand même les lasers, d'accord. Je vais surprendre par les airs. Mais c'est bel et bien ça qu'il faut faire. Ça repop ça. Partir comme si... Ok non, c'est le rouge qui déclenche les lasers, du coup il y aura aussi les lasers en bas. Bah je sens que ça... Je vais pas y arriver. Hein. Deux potions. On va faire les deux potions et après on va partir en pause. Parce que déjà cette salle j'y arrivais difficilement avec les trucs proches, mais si en plus je dois gérer le fait que les lasers sont loin, punaise, que le rechargement est loin. Mais oui je veux te prendre toi. Mais du coup, si dès le début j'avais réussi à l'amener, j'aurais pu économiser un... Oh punaise. Ou peut-être pas. Parce que si j'avais réussi à l'amener... Je l'aurais posé en haut. Mais le passage se serait fermé. Et le passage du premier aussi. Mais de quoi ?
Ça sort d'où? Il me semblait bien avoir vu une boule la dernière fois qui avait disparu immédiatement, mais... Mais s'il y a des épreuves, des ennemis qui apparaissent comme ça... Ah oh. Je suis pas sorti, moi. Alors... Chaque fois qu'il spawn, et des fois elle est en haut à gauche. Et du coup on la voit pas, et des fois elle. Elle m'embête vraiment, c'est ça? Pourquoi il y a deux flèches vers le haut au niveau des sous? Ah, c'est peut-être que je peux monter de deux niveaux avec la thune que j'ai amassée. Non, j'ai cliqué. Oh punaise, j'étais prêt. Ah. Punaise, c'est lui qui m'embête à chaque fois. Qui me donne même plus de sel assis un petit peu. Bon là de toute façon j'ai quasiment plus de vie donc... Donc on va bien devoir s'arrêter, que ce soit une victoire ou une défaite sur cette épreuve. Alors... J'ai l'impression que là, le deuxième laser, il se rapproche du premier. Au début, j'avais beaucoup de place. C'est ce que j'ai remarqué la fois juste avant. Au début, on a beaucoup de place. Et à la fin, plus du tout. Ouais, bah voilà. Bon. Et bah, j'espère que cette mascarade vous aura plu. Et bah, je vous dis à très vite. Pour la suite.